La sélection pour le Tour de France, ce n'est jamais facile parce que 20, 23 coureurs, 25 dans l'équipe exactement, tous les 25 auraient souhaité participer au Tour de France et seulement 9 ont été sélectionnés. C'est jamais évident en ce qui concerne les derniers plus particulièrement, puisque après la sélection se constitue en fonction des paramètres de course et aussi du profil et de l'expérience de chacun. Cette année, nous avions donc 5 coureurs qui, pour la première fois, découvraient le Tour de France. Donc, ils ont eu besoin d'être encadrés par des coureurs de plus forte expérience. Et c'est la raison pour laquelle nous avons fait le choix qui est le nôtre aujourd'hui. La difficulté de sélectionner et de lancer des jeunes coureurs dans le Tour de France. Pour nous, c'était un paramètre obligatoire dans la mesure où l'effectif est jeune. L'équipe était jeune et constituée de jeunes coureurs. Bon nombre d'entre eux n'avaient pas d'expérience et donc nous sommes rendus à l'évidence qu'il fallait faire ce choix. Et pour ce faire, on a donc pris des coureurs sur lesquels on pensait avoir le plus de chances de terminer dans de bonnes conditions. Et ils ont prouvé par le passé, au début de saison, leur capacité à s'intégrer dans l'équipe et leur capacité physique. Nous sommes venus sur le Tour de France avec l'idée de faire dans les 10 premiers. Actuellement, nous sommes 6e au classement général. Nous avons longtemps occupé la 3e place. Donc, un objectif rempli pour l'instant. Nous souhaitons forcément, fortement passer dans les 5 premiers maintenant qu'on a goûté un petit peu à cette dynamique. Et je pense que tout se met en place pour y arriver. Christian Vandevelde est dans très bonnes conditions et l'équipe travaille énormément autour de lui. On est très enthousiaste d'être sur une épreuve aussi bien organisée, puisque par le passé nous avons fait d'autres épreuves. Mais celle-ci, c'est je dirais, presque la plus facile pour nous, dans la mesure où le travail nous est mâché et c'est tellement bien rodé que c'est un réel plaisir d'y participer. Vous savez, pour moi, c'est une expérience fantastique de vivre dans une équipe telle que la nôtre, Garmin Chipotle, parce que c'est une culture totalement différente. Et il y a vraiment un respect du rôle de chacun et vraiment une grande communion au sein des coureurs pour essayer de mettre en place des situations les plus relaxantes possibles pour notre leader. Et donc, je découvre un peu tout ça et je découvre aussi le Tour de France, c'est mon premier Tour de France. Et je peux vous dire que je comprends mieux maintenant pourquoi les autres directeurs sportifs des autres équipes françaises auxquelles j'étais intégré
mettez chasse gardée sur le Tour de France. C'est tellement original et tellement plaisant que je souhaite renouveler l'expérience l'an prochain.